Pour anticiper fortement à la deuxième édition de la fête d'Avagodihwe 2024 qui s'annonce à grands pas, les principaux organisateurs de cette édition ont procédé ce dimanche 25 février 2024 au lancement officiel de la vente du tissu retenu de cette fête identitaire des filles et fils de l'arrondissement d'Avagodi. Ce lancement a connu la présence de tous. L'objectif visé, c'est d'informer tous les descendants d'Avagodi du Bénin et de la diaspora de la disponibilité et le prix du tissu prévu pour la fête. Aujourd'hui, c'est un jour symbolique. C'est le jour de lancement de la vente de tissus de Avagodihwe, deuxième édition. Et donc, c'est un jour où vous voyez une grande mobilisation. Tous les élus sont présents, tous les sages sont là également. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de montrer combien de fois la réussite de la vente de ce tissu-là est une condition pour la réussite donc, de cette fête deuxième édition. Avagodihwe, c'est une fête identitaire des filles et des fils de l'arrondissement d'Avagodi. Quand je dis l'arrondissement, il y a 7 villages. Nous avons le village de Diekpe, de Goussa, de Rwenta, de Bembe, Akpa, Bembe, Akpadon et Bodje. Donc c'est une fête où les filles, les fils, les amis, les alliés, les parents, les autorités, ils vont tous rester ensemble pour vivre des moments intenses de joie, de bonheur et de fraternité, de retrouvailles entre les filles, les alliés, tous ceux qui aiment Avagodi. Le prix est très bas. Le prix est très bas, à la portée de tous. Et le tissu conçu à cette circonstance est à un prix de 10 000 francs CFA la pièce. Il lance en général un appel à tout le monde et à tous les filles et fils d'Avagodi en particulier et aux donateurs de cette deuxième édition pour leur contribution à la beauté de l'événement. Ils sont déjà là aujourd'hui nombreux. Ils ont quitté aussi bien le Nigeria, Cotonou, le nord de notre pays, Porte Novo et environ. Ils sont donc venus nombreux. La diaspora était fortement représentée ici ce soir. La population est sortie massivement. Je voudrais dire à tous ceux qui restent de pouvoir rejoindre la BAC parce que cette année, ça va cantonner. Nous voudrions inviter tout le monde d'abord à se procurer de ce tissu. Procurer de ce tissu, c'est concourir pour le développement de la nation. Et nous invitons aussi tous les donateurs qui sont à Londres et à Abidjan, la collectivité Novillon qui est à Londres, à Congo, au Congo et au Ghana, partout, de s'unir, de conjuguer les efforts pour que nous puissions vivre cette période de 12 au 14 qui constitue des moments intenses de joie, de retrouvailles à Avagodi. Il faut préciser que la fête d'Avagodihwe deuxième édition 2024 aura lieu les 12, 13 et 14 avril prochains. De bonnes prestations et différentes activités seront au cœur de cette fête. Le comité d'organisation met déjà les petits plats dans les crins pour une réussite sans condition de ces grandes retrouvailles.